Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 des Simpsons, le jeu. Wouhou ! Alors, là, nous allons attaquer l'un des niveaux les plus durs, je crois. Oui, direct, il me semble. Il me semble que c'est l'un des niveaux qui m'a le plus traumatisé quand j'y ai joué. J'y ai joué tellement peu de fois aussi à ce jeu. Bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Bart, papa a dit que tu avais des super pouvoirs. C'est génial. Tu les as eu comment? Manuel. Ce manuel présente des implications métaphysiques étonnantes. Nous devons le remettre aux autorités compétentes. On pourrait faire ça, mais ça te dirait pas de découvrir tes pouvoirs à toi, d'abord? J'ai des pouvoirs? Waouh! Avec ces nouvelles capacités, je peux servir la justice sociale. Oh non, on pourrait pas passer ce niveau. Allez, on va rigoler. Tu vas pouvoir taper plein de méchants. S'il y a du grabuge... Monsieur Burns, des arbres, est tellement excellent, dernière. Monsieur Burns. Alors du coup, alors je pense que c'est... Oui. Voilà. Voilà, c'est bon. Oh, je m'en souviens. Je m'en souviens quand même. Allez, c'est parti. Donc sur le coup, on va se battre contre des bûcherons. Point de contrôle. Oh merde. Ok, d'accord. Tu veux des coups de pied? Tu vas recevoir. Et voilà. Ah. Pas mal du tout. Alors, ça fait deux mecs, je suis déjà la moitié de ma vie. Et ça, je dis rien. Bon, alors, du coup, il faut continuer ou pas? Ouais. Alors, on essaie de faire quoi là? J'aime bien l'image derrière, regardez, c'est petit, first. Il manque de doigts. Je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Faut peut-être je sais peut-être du caca, peut-être qu'il faut faire ça. Ah bah non, il faut aller là-haut. Oh, je vérifie. Ah, c'est pour les bonus. Ok, d'accord. Bon. Moi j'aurai au moins ce bonus là. Comment on fait pour changer de personnage, on peut pas? C'est pas grave. Hop là! Bon bah c'est parti. À toi Bart. Et c'est ainsi que la brillante sœur a tracé le chemin pour son stupide frère. Oh, le serpent qui s'est pris un truc, c'est une scie finalement que je suis en train d'envoyer. Une scie perdue. Super, t'as bien délogé ces sales bûcherons. Oh oh. Vous allez perdre. Méchant. Oh la vache. Original. Quelle est la différence entre un flan et une crème brûlée? Ouais, comme je dis, c'est YOLO. Ouais, heureusement qu'il n'y a pas de game over hein, sur ce jeu. C'est juste si tu abandonnes ou pas. Et voilà une bonne leçon. Au prochain coup, on attaque la photosynthèse. Ok, d'accord. Alors, du coup, je pense qu'il faut faire ça. Déjà, il y a le truc là. Oh, c'est peut-être pas par là qu'il faut aller. Il veut quoi, eux? J'aime pas les gosses. Ouais, Shenmue au mieux, hein. Je suis déjà mort deux fois, vous imaginez. Mais c'est impossible! Ah là. Il semblait pas que je mourrais autant de fois sur la DS. Merde.
Bon, bon là c'est sur pure vengeance. Voilà, voilà, je suis qu'il est mort avec la chute. Bah non, bah il fallait bien aller là au final. Je sais pas à quoi il servait. Wow, j'adore le champ de la forêt. Non, on dit ouais un bio violacé. Oh mon dieu, on dit ouais une tronçonneuse. Ah non, c'est une tronçonneuse. Allez, on est en pièce. Notre terre a honte de vous. Salut les gars. Non. Ok, c'est parti. Parle à ma main. Pour moi, ce sont les Canadiens qui sont responsables du réchauffement climatique. Ouais, c'est juste pour dire, ça prend pas trop de temps hein, de prendre tout ça. Ça me permet de prendre des petits trucs. Il donne pas de cœur. Ouais, donner quand même une barre de vie. Mais vous n'avez donc aucune sensibilité. Non, j'ai pas envie de. Descends. On va sauver les arbres. Oui, oui. C'est ce qu'il fallait. Non. Non. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Si vous voulez mon avis, okay. La meilleure chanteuse du monde, c'est ça. Vas-y, pars. Allez. Par contre, j'ai plus mes si. Ah bah oui, on est mort plusieurs fois, c'est ça. Initialise la chose. T'as mal, grand frère. Je crois que c'est. Ok, point de contrôle, on est plutôt pas mal. Pour l'instant, il n'y a pas de gros challenge. Hein. Alors. Mais j'avais peur. Mince, je suis loupé. Encore un nouveau cliché. Et je suis censé être impressionné. Je pensais pas qu'elle durait aussi longtemps les flammes. Bon, là, on va attendre. On va pas trop mourir quand même. Écrasez-les. Ouais. Pas mieux, je vais être obligé de le tuer. Crotalope. Voilà. Oh, petit cœur mignon. Oh, petit cœur, oh, c'est gentil. Par contre, mais ça où? Ah ouais, excellent. Alors, moi je veux bien, mais je fais quoi là? On est d'accord, il y avait que ça à prendre. Oh, il faut retraverser. Oh non. Mais vous avez pas pensé à moi, les gars, en faisant ça? Non. Mais les flammes. Pour toi, par contre, je vais pas te. Allez!
Hop. Ok, on va les buter, on va être tranquille. Sauf si je l'attends pas, c'est sûr que là, je vais payer. Et putain, mais crève ! Non, mon cœur ! D'accord. Bah, moi, j'étais prêt à tout pour prendre mon cœur. Ils sont tellement rares que je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi rares, les cœurs. Peut-être que sur la Nintendo, je faisais ça machinalement. Et là, quand je joue avec vous, c'est vrai que ça me perturbe. Regardez, pas de cœur. Oh le. Oh bah autant crever, bon, la flemme. Oh. La flemme de refaire le tour. Hein. Alors, du coup. Toi, par contre. Pas crever. La photosynthèse, super. Hop là, ok, on est plutôt pas mal. Hop là, ah oui, donc oh, la main, super. Hey, et voilà. Oh non, c'est quoi ça encore? Oh merde, ok. Ok, oh y'a un checkpoint, c'est déjà pas mal. Oh merde! Wouhou! J'ai eu de la chance. Ah non, il faut refaire la même avec Bart maintenant. Oh shit. Ok, bon. Wouhou. Ok, checkpoint. On va attendre. Super. Pour l'instant, c'est pas mal. Oui, c'est bon. Wouhou. Eh ben, super. On l'a fait du premier coup. C'est plutôt pas mal. Sauver Lenny et Carl. Oh. Ok, ça va être un jeu de vitesse. Maintenant, je saurais jamais ce qu'il va arriver à Claire et Charlie dans l'os. Je crois que c'est le pire des clichés. Merde. Pour un jeu vidéo. Ah, c'est lui avec ses clichés, il m'a fait bugger. Aujourd'hui. Notre usine est une merveille. Merde. Mais. Bart, tu fais quoi? Prenez-moi mes parmiers, Carl. Merde. Je lègue tout à mon copain Carl. Ah la vache. Bah ouais, mais bon, il faut connaître la map, hein, moi je pense. Hein. Mon seul souhait, c'est de voir mon spleen s'envoler avec ses lames de tronçonneuse. Bon. Hop là, ok. Donc là, il faut éviter. Ah bah la scie, elle est rentrée. Ah, ça compte cette scie là. Oh là là là. Je sais pas comment. Big Mama. Allez, go. Des choses pas ouais, n'arriveront plus quand Obama sera président. Ah, maintenant je saurai jamais ce qui va arriver à Claire et Charlie dans Lost. Super. Super. Alors c'est pas fini apparemment. Je pensais que c'était fini. Le travail est un privilège, pas un droit.
On a détruit l'usine. Et voilà 200 Américains besogneux qui vont perdre leur job. Comment on va nourrir nos familles maintenant? Vous pourriez toujours faire une nouvelle formation, comme gardien de garderie ou médecin sportif. Mais j'ai été bûcheron toute ma vie. Mon père était bûcheron, mon grand-père l'était aussi. Et mon arrière-grand-père aussi. Super histoire. Tout ce que je voulais, c'était détruire notre fragile écosystème. Et voilà comment on me remercie. Hein? Je suis désolé, monsieur. Vous voulez que j'envoie des hommes demain mettre une raclée à Algor? Pourquoi pas, oui. Eh ben voilà! Ça se termine plutôt pas mal, tout ça! Avec la petite cinématique qui nous met bien. Ok, donc là, c'est la mairie. Il me semble que c'est un niveau avec marge. Donc là, au moins, on aura fait tous les persos. Oui! La voie législative va une nouvelle fois fonctionner! Maman, tu peux continuer à lire? Quimby fait copain-copain avec le producteur de jeux. Ça me met hors de moi! Pete se doit à tel pas pour tester chez moi ce simulateur de vol de voiture! File-moi ta caisse, minable! Ned, est-ce que ça va? Oh! Avec un grand sourire et des soins médicaux, on peut tout soigner! Ce jeu vidéo va transformer tous les enfants de Springfield en tueurs sanguinaires et en mari, couche-toi là! Maman, je sais comment tu peux faire interdire ce jeu. Comment? Ce manuel nous apprend à utiliser nos super pouvoirs. Je suis l'emblème de tous ces manifestants. Ok, d'accord. Donc, faut utiliser le truc. Je suppose que ça va être X. D'accord, tout le monde. J'ai toujours pas. Ah, d'accord, ça va être stylé. Les tacticiels pour les nuls. Je crois que c'est le pire du. Voilà, regardez. Ce qui existe excellent avec le marge, c'est même pas obligé de combattre. Regarde. Hop! Vas-y! Défonce! Vas-y, Ned! Ok, d'accord, donc là c'est à nous de jouer. Ok, c'est bon, je pense savoir. Après la marche funèbre, vous êtes tous invités à la casa de l'homme. Alors, mon X. Et voilà! Je suis un homme! Hop là! Pour l'instant, on enchaîne, bien. Même moi, je suis plus cool que vous. Super! Oh, il me redonne de la viande. Ils vont se payer! Voilà, salut, salut! Sauvez nos enfants en détruisant nos. Oh, un cœur là-bas! Préparez-vous. Putain, dégage. Supermanesque. Voilà, salut, salut. Je suis bloqué. Préparez-vous un rose supermanesque. C'est super, maman. Merde. J'aurais bien aimé avoir un pistolet laser. Merde, bonjour. J'aurais bien aimé avoir un pistolet laser. Ouais, maman. Tu les fais plier sous ta volonté. Eh mais ils ont de l'armure. Préparez-vous. On a trois sur eux, hein. Oh, super. Les cœurs, ils restent ensemble. Alors. Torturez-le, vas-y. On bannit les jeux vidéo en torturant les gens. Comme ça, les enfants, ils tortureront personne, il n'y aura que nous. Préparez-vous un. Bah, il va mourir. Voilà. Ok, super. Préparez-vous un rose supermanesque. Je vais tous. Là, j'ai pas mis. Arrêtez-le. Sortirez-moi ça par la force. Vas-y. Death Metal. Et hop, le pro est toujours. Ah, j'avais pas vu. Je vais fêter ça en m'enfilant des tonnes de glace. Ça semble quelque chose, pour vrai. Ok, c'est parti. Bon, alors, donc là, je suppose qu'il faut enlever la benne. Voilà. Problème est réglé. Donc là, il faut les appeler. Rassemblement. Ah, Ned. Le peuple au pouvoir. Anéantissez-moi ça. Ok. Ok, bon, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Alors, du coup, par contre,
Ouais, ok, on se retrouve dans un parc. Oh, ça me rappelle une énigme du professeur Layton, ça, si vous voyez ce que je veux dire. Alors... ça. Bon, ouais, celle-ci, par contre, ça sera plus simple. Voilà. Allons-y, tout le monde! Ah, sans pas plus. Hey! N'aie pas peur, Maggie. Excellent. Rien ne peut t'arrêter. Même pas une couche mouillée. Oh. Excellent. Donc elle a un double pouvoir, la marge, au final. Je vais excellent. Détruire ça, oh, il y a marqué El Barto sur le sol. C'est excellent. Ok, donc là, je suis là. Bien joué, mon cerveau. Ok. Bon, elle aurait pu venir avec nous en même temps. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc, attendez. Laissez-moi, putain. Bon, c'est bien, Lisa. Tu leur as bien fait comprendre. Elle me dit c'est bien en plus. C'est excellent parce que au final, elle veut se battre contre un jeu qui peut rendre violent les gosses. Bien joué, mon cerveau. Donc là, on est en train de faire quoi là, hein? On est en train de faire du tricot avec les piques. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est bugué, c'est bien ce que je dis. T'es con ou t'es con? Ah bah voilà. C'est juste que t'étais con. Voilà. Ok. Bon, le niveau se fait assez simplement, on va dire. Ah, regardez. Quel beau spectacle. Qu'est-ce que c'est bon d'être pacifique? Je m'en fais enculer. Willy vous obéira, mais n'appelez pas. En fait, pas je suis en train de taper dans le vide. Ils vont payer. Willy vous obéira, mais n'appelez pas l'immigration. Qu'est-ce que ça fait du bien de rien faire? Punissez-les. Vas-y, vas-y. Allez-y, battez-vous. Ah, il a réussi à me baiser. Le enculé. Alors, du coup. Ah, d'accord, ok. Alors toi tu vas venir. Rassemblement. Ah, oui. Alors. Je crois que c'est tout. Ouais. Je suis vraiment maligne. L'union fait la force. Ensemble, nous vaincrons. Allez. Mais ok. De la nous avons obtenu la victoire. J'aimerais rentrer à temps pour mon émission favorite. Ah, j'écoute un petit peu les dialogues, pardon. Du coup, donc là, là, il y a des traces, là, ok, on est plutôt pas mal. Bon, c'est simple, hein, il y a des traces de pneus, donc ça aide quand même beaucoup. Allez sur le toit et essayez de convaincre mettre une bille. J'ai vu le jeu. Ah non, j'avais pas vu. Vas-y. Vas-y. Putain, je prends des coups. Oh non, il n'y a pas de cœur. Je vais finir par crever. Bon, bah, je m'approche plus, hein. Je vais plus essayer de combattre. Déjà, j'ai du mal à viser. J'aurais bien aimé avoir un pistolet laser. Il est solide, mec. Hein. Ah, voilà. J'aurais bien aimé avoir un pistolet laser. D'accord, tout le monde. Tuez-les avec le sourire. Tuez-les avec le sourire, hein. Rien que ça. J'aurais bien aimé avoir un pistolet laser. Elle est pas mal, là, ça. J'aurais bien aimé avoir un pistolet laser. D'accord, j'ai bien l'impression que c'est à l'infini. Avec le sourire. Avec le Gooned. Regardez, il prie maintenant.
que j'aurais bien aimé avoir un pistolet laser. Bon, d'accord, ça n'a fini. Maman, t'es vraiment pleine d'énergie. À fond vers la gloire. Je vais fêter ça en m'enfilant des tonnes de glace. Je peux pas le... Merde, il est trop loin. Est-ce que j'ai des boules? Bien évidemment. Je peux pas les attraper? Ah, il y a du flic, hein. D'accord, elle va nous permettre de plus avoir de flics sur le dos. Vas-y, Ned, use la violence, use de la violence, vas-y. Il a crevé, oui. Allez, toi. Vas-y. Oh, il a touché, là. Qui est avec moi? Soignez-vous à moi. Allez, c'est parti, on va démolir la statue pour le bien de tout le monde. Attends, une petite façon, une dernière petite façon. 3B, hein. Voilà. Super. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Ah, d'accord. Je m'attendais pas à ce genre de truc. Je m'attendais à une animation un peu plus améliorée, quand même. Bon, du coup, il faut faire quoi? J'ai jamais compris pourquoi les femmes avaient peur des souris. Il est bientôt 4h, c'est l'heure de Willy. Ok, je pense avoir une idée. En fait, il fallait que je reste en haut, je pense. Je prenne la tête et que je la mette quelque part. J'espère que ça va pas trop tarder. C'est que j'ai de la route à faire pour rentrer chez moi après, vous savez. Et voilà. Bah, il n'habite pas à Springfield, patron. Merde. Il dit coucou, lui. Donc j'ai plus besoin d'eux, apparemment. Je peux pas sauter? D'accord. Je peux plus sauter. L'option sauter a été enlevée. Ok, voilà, je suppose qu'on est... On n'utilise pas Maggie, là? Ah, si. Allez, Maggie, montre-nous ce que tu sais faire. Ok, bon, allez, vas-y, Maggie. Ok, je suis prêt à recevoir mon pot de vin. Ouais, le symbole du dollar, c'est ma religion à moi. Mon Dieu, elle est chaude, l'eau de ce jacuzzi. Une foule de parents furieux. Il y a même une sénatrice, Quimby. Vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas de manifestation. Vous disiez que la ville était remplie d'idiots qui avaleraient nos beaux discours. Eh bien, je vous retire votre pot de vin. N'ayant pu obtenir un pot de vin suffisant, j'ai décidé de retourner ma veste et d'interdire la vente de grandes Theft Scratchy aux mineurs, alors que ce sont les seuls qui voulaient jouer à ce jeu. Maman, ce n'est pas un peu hypocrite de dénoncer la violence du jeu d'Itchy et Scratchy alors que tu utilises la violence pour faire passer ton message? Je suis désolée, Lisa. Je ne t'entends pas avec tout le bruit de cette foule admirative. Ouais, c'est ça, tu n'entends pas, hein? Tu n'entends pas, ouais. On va dire ça. Bon, bah, sur le coup, eh, on est pas mal, hein. 16 sur 17 et 11 sur 11. Eh, les stats, nos stats, là, ils sont meilleurs que dans le premier épisode. Nous y sommes enfin, et ça nous a pris seulement 300 décas décennies. Vous nous avez appelés pour venir visiter votre espace intersidéral. Pourquoi se dispute-t-on toujours au sujet de nos plans de vacances? Tu as raison, on va les atomiser. Oh.
y a une chose que j'ai apprise dans les navets que j'ai vus, c'est que les super-pouvoirs donnent des super-responsabilités. Alors sauvons cette ville et boutons les fesses de ces aliens. Si jamais ils en ont... Nos pouvoirs ne sont pas assez puissants. Nous devons arrêter ces vaisseaux spatiaux. Et une seule personne à Springfield est assez intelligente pour trouver comment faire. J'ai bu le liquide bleu qu'il y avait sous l'évier. Allons voir le professeur Frink. C'est pas mal, j'aime bien les animations. Eh bien, donc sur le coup, nous allons nous laisser ici, parce que les prochaines missions, finalement, ça sera du spécial Halloween, en fait. Donc autant faire toutes ces missions en une seule vidéo. En tout cas, nous avons donc vu les pouvoirs de Lisa et de Marge, donc on est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire les pouvoirs que vous préférez, si vous préférez ceux de Bart, de Homer, Lisa ou de Marge. Ah, je sais pas, parce que Homer, finalement, la seule chose qu'il peut faire, c'est être gros et rouler. Bart, il peut tout de même voler à moitié, finalement, il peut planer, on va dire. Lisa peut soulever n'importe quoi. Alors, il me semble que dans les niveaux d'après, Lisa pourra peut-être, enfin, pourra prendre même les ennemis et les jeter, ce qui les tuera. Ça, par contre, c'est excellent. Bon, on verra ça plus tard. Bref, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Exactly.